Et bonjour à tous, donc eh ben, on va continuer sur notre route de pédagogie euh, d'IQ, hein, comme dans la première vidéo. D'ailleurs, en fait, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller checker euh, dans les dernières vidéos que j'ai sorties. Euh, avant de commencer, un point important que j'aimerais rajouter dans les points importants, c'est euh, les libertés, oui, ça c'est un truc qu'on va énormément parler quand on est à DQ, c'est les libertés, donc euh, en gros, ben, faire toujours attention aux libertés de vos pierres et de vos groupes de pierres, ainsi que ceux de l'adversaire aussi, hein, voilà, donc c'est toujours intéressant, enfin important de savoir si on est en Atari ou euh, si on doit rajouter un coup, ou euh, si notre adversaire peut être mis en Atari ou est déjà en Atari, évidemment quoi. Ok, donc bah, sans plus tarder, euh, on lance la prochaine partie. Quoi. Ok, let's go. Donc, ok, donc ça commence comme la première partie, si je me rappelle bien. Donc, moi je joue Oshi en bas à gauche, tranquille, je ne cherche pas à croiser direct et tout, donc, on ne rentre pas dans ces trucs-là. Hein. Donc, Oshi Komoku, comme euh, je l'ai dit dans les points importants, pour moi c'est quelque chose d'assez intéressant. Il approche ici, bon bah ben, nous on va faire je sais qui, hein, que je crois même que c'est quasiment la même chose que la première partie jusque là, ou pas, je ne me rappelle plus, mais... Donc on fait le je sais qui, jusque là tout va bien, et il approche notre pierre, il approche notre pierre, on fait F3, F3 c'est un coup simple, c'est un coup très bien, euh, j'ai juste envie de revérifier quand même, ok, Donc, juste pour voir si mon adversaire est normal, ah, il joue le coup C4, donc c'est vrai que ça j'en ai pas beaucoup parlé, normalement à DQ, on joue pas nécessairement en fait euh, ce jeu qui parce qu'on le connaît tout simplement pas encore quoi. Donc il euh, y a un proverbe important à connaître. Euh, je, je vais pas le mettre dans les points importants, mais c'est des petites choses qu'on ajoutera euh, au fur et à mesure, c'est que quand on vous fait un coup de contact, il faut juste faire... Enfin en règle générale, le coup le plus euh, simple c'est année. Voilà. Ok, il cut. Donc ça ça va vous arriver énormément. Hein, ce genre de de, de coups, là comme ça et puis vous vous dites oh non vas-y là c'est bon c'est trop compliqué je sais pas quoi faire euh, comment je fais et tout bon déjà euh, on se calme <laughs> on respire euh, tout va bien bon euh, euh, la première question à se poser c'est encore une fois donc c'est la liberté donc ce qu'on peut observer ici c'est que donc là on est vraiment dans la forme du crosscut euh, vraiment euh, originelle hein, on pourrait dire euh, classique quoi donc on a quatre pierres deux pierres à nous, deux pierres adverses qui ont que deux libertés. Et après on a euh, les pierres ici, donc c'est quasiment une position euh, symétrique. Hein. Euh, et donc comme c'est à nous de jouer, on peut nécessairement mettre des pierres en Atari. Euh, la chose hyper importante à savoir, c'est que si vous faites Atari, euh, normalement on dit qu'Atari c'est pas bon, mais Atari c'est bon si on peut capturer euh, la pierre ou le groupe de pierres adverses dans, une, dans un coup ou dans une séquence de coups. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, Atari, ça devient potentiellement un coup très intéressant. Ici, dans cette situation, vous pouvez mettre sur pause, hein, mais il y a un coup qui est très intéressant, c'est D2. D2, ça pourrait être euh, loupé, en fait, au niveau d'IQ, ça c'est vrai, mais l'idée c'est quoi C'est un chichot, en fait, et oui, et pas un chichot par là, parce que quand je fais Atari ici, si l'adversaire sort, ensuite je vais faire Atari par là. En fait, quand il va jouer là, après, j'aurai le choix de l'Atari en f2 ou en e1, et du coup, mon adversaire ne peut pas résister à cela. Donc, je vais juste faire Atari d2. Donc ça, c'est important de le, de le voir. Ok, notre adversaire fait contre Atari, on capture. Ça, comme je l'ai dit dans la première vidéo, si vous avez le choix entre connecter ou capturer. Euh Essayez de capturer le plus possible. C'est pas toujours le meilleur coup, mais en règle générale, à votre niveau, ça ira quoi. Ok, donc il joue le coup euh, B16. Donc comme dans la première partie, hein, on tombe sur quelqu'un qui fait des coups en seconde ligne. Et il connecte. Ah, il ressemble étrangement, enfin même énormément, j'ai envie de dire, euh, à mon adversaire de la première partie, à, à, au point en fait, en gros, où j'ai vraiment envie d'aller le vérifier. Donc non, c'est pas le cas. Ouf. <laughs> ça serait bizarre quand même. Ah oui, je n'ai pas basculé en fait en gros ici. Voilà. Ça sera un peu mieux quand même. Ok. Euh, et là de nouveau donc c'est à blanc de jouer donc on a plein de choix possibles mais moi je vais approcher le kumuku l'idée c'est toujours d'empêcher le shimari de l'adversaire donc le verrou de coin donc j'approche haut pourquoi parce que l'approche haute c'est vraiment la plus simple à gérer au début ok donc là mon adversaire il vient faire atari sur cette pierre Alors, on va dire oh là ça y est il veut déclencher un ko et, et donc du coup ben il va falloir jouer le ko non 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 en fait pour bien comprendre que oui, ça, cette pierre elle peut être prise et il y a une sorte de co. mais en fait, qu'est-ce qui menace d'autre mon adversaire que de simplement capturer en D3 Parce que si il capture en D3 et qu'après moi je veux défendre, bah, je pourrais défendre simplement en jouant C2 par exemple, quoi. Donc finalement, il menace pas grand chose d'autre que juste capturer une pierre. Et donc en fait, ce qui fait là mon adversaire, c'est qu'il vient de plus ou moins passer et donc il n'a pas rajouté de coup en haut à droite. Et bon là c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait Donc là j'en ai pas parlé, hein, ça on entre euh, tout de suite. Bon déjà bien comprendre que ce coup-là n'engage pas une réponse automatique ici. Si vous voulez répondre en bas à, à, à gauche, à la limite, une extension 2, comme j'en parlais énormément, ça peut suffire et ça peut être c'est déjà beaucoup mieux que de venir défendre ce caillou qui ne vaut que lui-même en fait. Mais là ici on peut même encore faire mieux que jouer l'extension 2, qui serait déjà très bien beaucoup mieux que ça on peut euh, rajouter un coup par ici. Alors, il y en a énormément euh, à rajouter, hein, sans doute. Un coup que vous pouvez commencer à apprendre bon, peut-être que vous n'allez pas tout à fait le comprendre, peut-être que vous ne connaissez pas tout à fait, mais le contact comme ça au San-San, c'est un très bon coup. Euh, J'aurais peut-être l'occasion de le développer. Alors là, parfait, parce qu'il joue exactement le coup que vous allez sans doute craindre, en fait, à DQ. Euh, donc là, attention, il ne faut absolument pas laisser le noir faire l'angle plein. Euh, suivi de du travers schéma. Donc là, on coupe sans réfléchir, même pas besoin de faire du calcul. Jusqu'ici, quoi, voilà. Ok, il menace de capturer notre pierre ici, donc ben, on va la sauver, parce qu'on ne donne pas de ponuki, en fait, un hein. ponuki c'est beaucoup trop gros. Et là, maintenant, il joue ici. Bon, cet adversaire est <laughs> limite un peu, euh, un peu étrange, parce qu'il ben, qu joue, ça, c'est une séquence qui est déjà un peu sophistiquée, en quelque sorte. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait Là, c'est vrai que ça pourrait être très compliqué. Honnêtement, euh, euh, alors il y a Atari, je peux jouer là. Enfin, vous pouvez penser à plein de choses. C'est compliqué. J'ai que deux libertés sur mes pierres. Et là, je vais jouer un truc encore une fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'efforcer à chaque fois de faire ça. Je vais essayer de pas jouer les choses les plus difficiles et donc les plus, enfin pas intéressantes, mais les plus euh, qui, qui seraient les plus euh, fortes en gros quoi. Mais je vais jouer les choses les plus simples qui sont aussi ok. Là, dans cette situation. Vous savez pas comment sauver les deux pierres Les sauvez pas. Parce que euh, ça pourrait engranger en fait, euh, sur un combat très compliqué, vous allez risquer de perdre encore plus. Quand vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas sûr en fait, en d'arriver à faire quelque chose, le mieux c'est de très rapidement penser à sacrifier essayer de se renforcer au maximum et potentiellement prendre l'initiative. Là dans cette situation, je vais juste faire Atari donc il va connecter. Et après, là, il y a un coup très intéressant, c'est que je vais simplement descendre en P18. Pourquoi Parce que je menace de jouer ce 18 avec blanc. Et donc, il est, donc il ne l'a même pas vu, vous voyez C'est pour ça que, que j'encourage énormément à jouer euh, des coups simples et de pas nécessairement jouer... toujours vouloir tout sauver ou jouer des coups les plus forts. Voilà. Bon, il n'a pas vu. Il a joué ici, on va en répondre. Tranquille. Mais on n'oublie pas que... Normalement, voilà, notre adversaire, en fait, bon, vous savez, si vous calculez un peu, peut-être que ça aurait été plus intéressant de jouer 18. Mais nous, on répond, on joue solide, sans faille, on essaye... Euh, voilà. Bon. Donc on se retrouve avec ça. C'est un groupe qui est pas tout à fait vivant. On va pas se mentir, il n'est pas tout à fait stable, et donc on va lui donner une extension. Donc comme je vous disais, on va faire une extension 3 sur troisième ligne, parce qu'on a au moins un mur de 2 je vous rappelais qu'une pierre comme ça toute seule elle fait extension 2, et à partir de 2 on fait 3, et on est... Pour l'instant, on va pas aller plus loin que 3 en fait quoi. Ok, donc il vient capturer. En capturant, il crée deux faiblesses. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir euh, un petit problème si on le laisse. Après, ça fait Atari, c'est compliqué. Bon. Ben moi je vais jure tout simplement lui enlever la possibilité de faire l'Atari dans ces deux. Je joue solide. Voilà. Et vous avez vu, lui, il connecte. Bon, maintenant, quand il connecte, on peut se demander, est-ce que ça, c'est un groupe fort ou un groupe faible Donc, rappelez, la définition de groupe faible, c'est un groupe qui ne peut pas euh, euh, se stabiliser sur place immédiatement et qui manque de direction de jeu. Et si vous faites un peu attention, on n'est pas vraiment dans cette situation. Mon, ad mon groupe, là, il peut quasiment... Il a beaucoup d'espace ici. Donc, il pourrait potentiellement euh, créer une base de vie et de jeu. Et il a des directions de jeu par là et un peu par là, quoi. Donc... On pourrait se dire bon bah ok bah, je vais jouer dans les grands espaces j'ai pas l'air d'avoir de gros problèmes et donc bah, là ce que je vous encourage c'est à approcher soit là soit là donc moi je sais pas je vais approcher ici c'est un exemple parmi tant d'autres tant que vous faites il euh, n'y a pas un coup meilleur qu'un autre à, à votre niveau en fait hein. c'est pas, euh, pas hyper important de jouer soit là soit là ok donc il joue ici donc là on défend sinon il fait la gueule du tigre en fait et ça c'est chiant. Donc, il joue encore là, donc vous voyez, bah, pas à peu près le même schéma que l'adversaire d'avant, hein. finalement. Euh, C'est quelque chose d'assez récurrent à ce niveau, peut-être sur Foxgo, quoi. Donc, il vient jouer comme ça. Donc, nous, on a un mur de 2, et pareil, comme euh, dans la partie précédente, bah, je vais faire une extension 3, et je vais venir ici. Et vous voyez, bah, jusque-là, je, je, je fais que. Et là, on retombe encore sur la même chose. Hein. Vous avez vu, donc là, il menace de faire M2, donc moi, je défends simplement M2. Euh, voilà, il monte, et là vous vous rappelez, c'est pareil que la même partie, hein, c'est incroyable. Et pourtant, c'est bizarre, c'est pas le même adversaire. Enfin, enfin si c'est le même, en fait, c'est un peu étrange, quoi. Bon, bah, apparemment, tout le monde fait ça, quoi, c'est rigolo. Et là vous vous rappelez, euh, on pourrait avoir envie de sauver les deux pierres. Mais on va pas le faire, comme la première partie. Et on va jouer dans un on va essayer de jouer dans le grand espace Et s'il en reste S'il en reste pas, ça serait une autre question, en fait, quoi. Et là, il y a un grand espace ici, un grand espace ici. Bah, si vous faites bien attention, le plus grand espace, il est à droite. et ben, bah, je vais juste jouer au milieu, hein. Comme ça, voilà. Et puis je fais l'extension 2, encore une fois, à hein, Wariochi, quoi. Et il joue ici. Ça, ça ça ressemble beaucoup au même schéma que la première partie, hein. Il joue ici, bon... Euh, il menace de faire des trucs un peu par là, un peu chiant, donc je vais défendre. Voilà. Ça c'est pas trop mal. Et puis euh, là c'est pareil, il continue de pousser. Peut-être qu'il menace des choses par là. Bon après voilà, tout ça c'est lié à la lecture. Hein. Euh, c'est toujours intéressant de ne pas répondre à l'adversaire s'il n'y a pas besoin, parce qu'on peut aller jouer un coup qui va faire euh, plus de points, qui va faire évoluer la partie vers quelque chose qui nous intéresse beaucoup plus, quoi. Ça, cette partie, finalement, elle ressemble énormément à la première. Hein. C'est... Euh, ici, on pourrait juste défendre, parce qu'on se dit ah, mais j'ai peur, moi, qu'il fasse quelque chose. Bon, quand vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à réfléchir, <laughs> à vous poser des questions. Euh, j'ai peur, ok, d'accord, mais j'ai peur de quoi ben, J'ai peur qu'il fasse quelque chose qui casse tout, en fait, quoi. Voilà, bon, <laughs> jusque-là, euh, vous reconnaissez peut-être, quoi. Euh, c'est toujours bien de se demander, donc, c'est quoi le but du jeu au go C'est de faire des points. Voilà. C'est d'avoir des points, d'en avoir plus que l'adversaire. D'ailleurs, à la fin de la partie, à la fin, le but c'est pas d'en avoir 50 de plus que lui, c'est d'en avoir au moins un. Ça c'est le truc le point le plus important. Donc pour ça, je vous ai donné les points importants à respecter pour essayer d'atteindre ce but du jeu le mieux possible quand vous êtes DQ, quoi. Donc ici, on a le choix, soit on répond, soit on répond pas. Jusque là, ça va quoi. Si on euh, répond, ben, peut-être qu'on perd l'initiative. Et du coup, ça peut être un peu dommage. Mais si on répond pas et qu'il nous fait quelque chose de fou, ça pourrait euh, être compliqué. Mais après, on peut se demander, qu'est-ce qu'il peut faire Et c'est ça, la question, vraiment, à se demander. C'est, ok, j'ai peur, mais j'ai peur de quoi Et en fait, essayer le plus possible, c'est pas facile, hein, mais essayer le plus possible de... Qu'est-ce qu'il peut faire, en fait Qu'est-ce qu'il va faire Eh ben, euh, oui, j'ai peur qu'il joue H3. Et après, il encercle mes pierres et ça pourrait être compliqué. Ok, s'il fait H3... Qu'est-ce que toi tu peux faire en fait quoi Et en fait, c'est comme ça qu'au fur et à mesure vous allez euh, essayer de euh, bah, vous améliorer. quoi. Alors, au plus vous allez essayer d'aller loin dans ce genre de réflexion, bah, au plus vous allez améliorer votre esprit à réfléchir continuellement à, euh, à ça. Toujours pareil, hein donc la base de vie c'est devant tout, mais dès que la base de vie elle est respectée, on peut jouer dans les grands espaces. Donc en fait, la grande question ici c'est est-ce que Noir peut se séparer comme ça est-ce que... Parce que s'il séparaient ici, ce groupe-là pourrait se retrouver isolé de celui-là. Mais est-ce que c'est vraiment faisable de la part de Noir C'est ça la question. Si vous hésitez, vous répondez. C'est le mieux. Mais attention, il faut quand même que vous dire comment je me sens dans la partie. Est-ce que je me sens bien Est-ce que je me sens en avance, en retard Enfin comment je me sens. Au lieu d'être. Vous n'êtes pas obligé d'être compter au point près. Juste votre ressenti de la partie. Vous vous sentez bien vous ne vous sentez pas bien Bon là peut-être que il euh, y aurait quand même de ra des raisons où vous vous sentiez pas trop mal en fait parce que j'ai quand même une pierre là, j'ai le bord ici, j'ai un bord là. Noir en fait il a une petite zone ici, il a un truc, on sait pas encore ce que c'est, et là quand même ça qui commence à grandir, mais nous on n'a pas rien non plus. Bon. Dans cette situation, moi, si vous hésitez, regardez, je vais même répondre. Alors qu'il n'y aurait peut-être pas, pas... c'était peut-être pas si grave, mais je vais juste répondre. Et donc là, vous voyez ce que fait mon euh, adversaire, c'est qu'il est en train de développer quelque chose d'énorme ici. Ça, c'est vrai que ça peut vous poser problème. Comment je gère les moyos quand je suis DQ Ça, euh, une question que même moi je me pose en fait, en gros, pour vous répondre évidemment quoi. Le point le plus important quand il y a des moyos, c'est d'essayer de jouer à la frontière des moyos. Vous voyez, euh, là par exemple, il, il va, il menace de continuer d'avancer par ici, d'avancer par ici. Bon, ce que je vais faire, là quand même, ça peut être pédagogique quand même. Je pense, c'est année c'est vrai que c'est toujours la porte ouverte à année oui alors cross cut alors complication oui 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 c'est vrai mais malgré tout je fais année si il cross cut il crosscut dans une zone qui m'appartient donc euh, là je suis quand même un peu légitime vous n'êtes pas obligé de savoir d'avoir tout lu en fait ce qui se passe mais vous voyez le année au lieu de recul me fait gagner une ligne de plus et donc des points supplémentaires donc oui bon il continue on va encore défendre juste voir jusqu'où il va en fait en gros, quoi. Et il continue. Bon. Bon après c'est vrai que là il pourrait ça pourrait être un peu compliqué, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il pousse, est qu'il peut couper Bon. Parfois, il faut se dire bon, peut-être que là j'ai plus le temps d'être sûr que j'ai pas de problème. Là quand même si je fais pas d'action ici et ça c'est hyper important. Souvent quand vous êtes DQ, vous laissez trop entraîner vous allez euh, trop rapidement, enfin euh, non, vous allez juste pas assez rapidement vous rendre compte que votre adversaire est en train de construire quelque chose d'énorme. Et au moins vous en rendez compte, vous entrez au dernier moment, vous entrez voire même pas du tout, et vous allez mourir en fait parce que vous allez essayer de développer votre adversaire trop, euh, trop loin. Alors ici le conseil que je vais vous donner, c'est pas de rentrer le plus profond possible. Alors normalement ça serait la chose à faire, mais là c'est peut-être un peu tard. Surtout qu'ici, on n'a pas euh, fait peu de points avec boulon, On a quand même pas mal de points ici, on a pas mal de points ici. On a quand même une pierre là qui euh, euh, désactive un peu euh, ce que Noir pourrait développer ici. Et on a le commis. Tout ça fait que c'est pas rien quand même. Même si Noir fait quelque chose là, euh, voilà, il faudrait faire la soustraction de ça, ça et ça. Moins ce que nous on fait, plus le commis. Et on n'obtiendrait peut-être pas nécessairement 50 points de retard. quoi. Hmm. Bon, Dans tous les cas, ici, même sans compter, je vais même pas compter... Si noir, euh, il ferme comme ça et il fait toute cette zone-là, euh, visuellement, ça semble un peu compromis euh, pour blanc euh, de faire, assez de, de faire des, euh, plus de points que noir. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de jouer un coup qui va essayer de venir un peu embêter le noir par là, mais pas trop profond, parce que sinon, vous allez vous faire euh, chapeauter, boshi on appelle. Donc il faut trouver un coup profond, mais pas trop. Donc par exemple, on pourrait partir de cette pierre, il y a une ligne ici, et cette pierre, elle regarde par là. Vous voyez Et là, il y a une ligne un peu entre les deux. Donc euh, si on joue là ça peut faire un peu trop profond, si on joue là c'est peut-être pas assez profond, bon, on va essayer de jouer un peu sur cette ligne, on va jouer au milieu du plateau, on peut jouer comme ça. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Et ça, il faut pas hésiter à euh, légitimer en fait ce genre de coup. Ok, donc il me laisse jouer là, donc je bloque, je déforme mes points. On va voir. Donc lui, il continue tout droit. En fait, droit. il fait comme si. Que... Enfin, comme. On dirait que. J il fait même pas attention à ce que je viens de faire. Il continue comme si que j'avais continué à ne pas répondre à ce qu'il faisait. Ok, ben écoute, euh, là tu fais ça. Mais ben, moi, je vais continuer à faire année. Je fais, voilà, euh, mon territoire en haut. Ok, il coupe. Donc là, voilà. Ça, c'est toujours intéressant. Il coupe. Oh mon dieu, il coupe. Ça y est, là, je vais me faire avoir. Qu'est-ce qui va se passer <laughs> Donc là. Euh... Le plus important, c'est d'essayer de regarder des... 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 qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de la situation Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire Bon, déjà, qu'est-ce qu 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 qui se passe si vous ne répondez pas Par exemple, bah, si on répond pas, Noir il peut jouer Atari. Et ça fait un guetta. Et là, vous êtes foutu. Bon, déjà, faut le détecter. Donc, la première chose à faire quand vous avez une faiblesse, la première chose à penser, c'est bah, je réponds sur la faiblesse. C'est vrai, ça peut être très bien déjà répondre sur la faiblesse. Je joue là, et pareil, il ne peut plus jouer là et c'est la seule chose qui menaçait donc ça peut être le coup le plus simple. Mais là dans cette jour il y a encore un coup plus intéressant. Et ce coup plus intéressant, ben, c'est potentiellement G18. Pourquoi Parce que c'est un chichot. Enfin, attends, mais il peut pas jouer là Et non. Parce que quand je fais Atari, maintenant il peut plus jouer ici parce que je capture la pierre. Et ça c'est intéressant de le voir. Et si jamais il sort la pierre, je fais Atari, il sort et encore de nouveau, j'ai euh, un chichot. Donc je peux assez facilement jouer le rouge j 18 et donc vous voyez, c'est ce qui se passe. Je joue là. Et là, donc ça donne un chichot. Et donc, il ne peut pas sauver les pierres. Et donc, rapidement, il décide de ne pas répondre. Donc vous, vous rappelez ici, ben là, je vais faire juste l'extension de en troisième ligne. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on a mis ça en stand-by. Mais c'est lui, en fait, en gros, qui continue de... Ok. Donc il joue là. Donc il essaie d'agresser un peu ma pierre. Et donc là, il faudrait la défendre. Alors attention, on va pas faire de année, hein, parce que là, si on fait année, on fait année sur deux pierres. Donc ils sont beaucoup plus solides. Là, vous pouvez hésiter entre le nobi ici et le nobi comme ça. Et il y, un... y a sans doute quelque chose d'intéressant à savoir ici, c'est que généralement on dit tant qu'on peut jouer troisième, on joue pas seconde ligne, et tant qu'on joue, on peut jouer seconde ligne, on ne joue pas première. C'est par rapport au niveau des points, en fait. Ça. Si c'est que la troisième ligne, elle fait plus de points que la seconde ligne. La seconde ligne, elle fait plus de points que la première ligne. Parce que bon, entourer des points en première ligne, c'est un peu compliqué. Euh, voilà. <laughs> euh, et ici, bon, alors, là, on a la chance entre la quatrième et la, et la, et la, et la deuxième. T'as pas parlé de la quatrième. Euh, mais là, dans cette situation... On est quand même euh, on est au coup 71 dans la partie, c'est pas encore une partie très avancée, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut savoir qu'une partie en moyenne, ça peut durer entre 200, 220 coups en tout, quoi. Donc euh, vous voyez, il y, en a, il y en a potentiellement encore 150 à jouer, donc 75 chacun, c'est énorme quoi. Euh, et même pas la moitié. Donc là, il y aurait potentiellement encore des choses à, à faire dans cette zone. Donc moi, pour me défendre, au lieu de venir jouer là, je vais jouer vers l'extérieur. En début de partie, l'extérieur, c'est souvent très intéressant. Donc oui, il veut réduire par l'intérieur, quoi. Donc on va défendre. Il joue ici. Et donc là, vous voyez, donc là, j'ai mon mur de 2, j'ai mon extension. Alors, mon extension, elle n'est pas en 3, elle est un peu plus proche, ce qui fait que ça peut être sympa, parce que c'est plus solide, du coup, si elle est plus proche. Et donc là, parfait, parce que, bah, du coup, moi, j'ai des amis ici, j'ai des pierres par là. Euh, il n'a pas répondu à mon caillou parce que il, il, pourtant il menace toujours de développer quelque chose par ici. Moi j'ai très envie quand même de faire un Toby, de venir. Bah attends, ben, moi j'ai joué une pierre là, tu n'as pas réagi, ben, je vais venir par là. Ok, je joue ici. voilà on peut jouer la gueule du tigre. Pourquoi Parce que ça se rapproche de mes pierres ici. Ok, il coupe encore de nouveau. alors là, voilà, décidément euh, <laughs> l'adversaire, il coupe de partout. Ça, ça va souvent vous arriver. Hein. Et là, ben faut réfléchir en fait à quand vous vous faites couper. En fait, finalement, la première chose à réfléchir, c'est est-ce que je peux capturer cette pierre de coupe Et euh, les premiers coups que vous pouvez réfléchir, c'est Atari. Ce n'est pas nécessairement les meilleurs coups à chaque fois, mais Atari, si ça marche, parce que Atari, généralement, ça doit être issu d'une séquence. C'est-à-dire, je fais Atari, il répond, puis après, je continue, puis après, il répond, puis après, je le capture. En fait, si vous arrivez à atteindre ce genre de séquence, dans ce cas-là, Atari, ça peut être un très bon coup. Parce qu'en plus, si vous capturez la pierre de coupe, c'est très bien. Si vous avez du mal, parfois, le mieux, c'est de ne pas toucher Atari. Parce que si vous n'êtes pas sûr de capturer la pierre, parfois il vaut mieux jouer plus solide que Atari. Atari, ça va vous laisser des faiblesses si vous n'arrivez pas à capturer la pierre de coupe. Donc là, dans cette situation, en fait, comme les deux pierres ici sont en Atari et sont déjà prises en chichot, je n'ai même pas besoin de nécessairement violenter cette pierre. Je vais genre juste par exemple jouer N16, j'encercle, et cette pierre-là va avoir beaucoup de mal à faire deux yeux dans cette zone. Ouais, donc il fait Atari. Donc là, comme je vous ai expliqué, le truc le plus intéressant, c'est de capturer les pierres quand vous pouvez capturer les pierres. Donc, on va respecter. Ici, il n'y a pas de. Enfin, on pourrait aussi jouer le coup K18. C'est vrai que, parce que comme ces deux pierres, on est sûr d'aller les avoir capturées. Vous voyez, hein, si je joue là, j'aurai une, deux, trois libertés. Et lui, il aura toujours qu'une. Et s'il sort, j'en aurai plus que deux, mais il n'en aura que deux. C'est à moi de jouer. Je joue, je fais Atari. Peut-être c'est une situation un peu particulière où je vais jouer là. Pourquoi Pour être sûr qu'il ne fasse pas grand-chose dans cette zone, quand même, quoi. Hein. Et là, vous voyez, bon, il a dit ok, d'accord, bon, là, je joue ailleurs. Donc, il agresse un peu mes deux pierres ici. Qu'est-ce qu'il menace Peut-être qu'il pourrait menacer de faire année dessus. Et ça pourrait être un peu dur. Mon groupe là, il pourrait peut-être un peu souffrir parce que j'ai une coupe ici. Ben moi, je vais défendre. Je défends en sortant. Je l'empêche de faire le âner à la tête de deux pierres. Il joue ici. Il nous amène en fait une deuxième gueule de Bon, là, on en profite, on peut plus ou moins se jeter dessus. Et il continue de faire ça. Donc il menace de faire Atari. Bon là par contre, il bah, va commencer à falloir faire attention à quelque chose, là je peux pas non plus toujours répondre à l'adversaire, et c'est ce que vous devez vous dire vous aussi quoi, hein d'accord C'est que si vous euh, répondez toujours à l'adversaire, à tout ce qu'il fait, ben bah, après c'est là où vous faites, euh, pourquoi ne pas répondre Ah ben bah, là il m'a satari, ça pourrait être chiant, c'est vrai, mais là mon groupe il est quand même bien, alors que là ce groupe là, attention il a commencé à passer une ligne ici, il est là, hum... Donc là, je vais lui dire, ok, je vais commencer à revenir voir mes potes ici, même si tu as Statari. Oui, je réponds, c'est vrai, c'est gratuit pour toi. Mais euh, voilà. Ok, donc il continue d'avancer ici. Ben, moi, je, ben, je vais continuer d'avancer par là. Je vais, je vais potentiellement euh, venir récupérer mes amis ici. Il continue d'avancer, ben, je continue d'avancer. Alors c'est vrai qu'il a fait une zone ici, ça fait plus, pas mal de points. Mais moi, grâce à mes trois cailloux là, j'ai désactivé la quasi-totalité de tout ce qu'il pouvait faire ici. Ok, il continue d'avancer. Eh ben, je vais continuer de connecter. Là, maintenant, je suis sûr d'être super connecté avec ça. Ouais, je joue vraiment. Euh, voilà. Ah bon, ben là, il revient jouer ici maintenant. Bon, mon adversaire, il joue un peu de manière brouillon. En fait, ah, il joue un peu là, un peu là. En fait, en gros, bon. Euh, de toute façon, à ce niveau-là, on ne sait pas toujours ce qu'on fait. On essaye. Euh, mais là, le problème, c'est qu'il joue trop vite. Et voilà, bon, ben, je, je peux même faire Atari en H19. Hein. C'est un chichot, hein, encore une fois. Hein. J'aurais même, même pu faire H18. Hein. Et là, enfin, il vient défendre D10. C'est sans doute le coup que je voulais jouer juste avant. Ok

et là, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 67, 68, 69, 69, 70, 71, 112, 113, 114, 115, 116, 117, il a 77 points, c'est pas rien, en fait, quoi. Et donc, on va compter blanc, maintenant. Donc, j'ai le commis, 7. Donc, ensuite, là, j'ai combien de points Bon, ça, ça sera sans doute un Atari pour lui, donc je vais pas ouais. le compter, donc 7. Ouais.

De moins en moins de choses à faire. On entre dans la phase du IOC. On est au coup numéro 100. C'est tout à fait une phase, euh, un coup, enfin euh, c'est tout à fait un nombre de coups normal pour entrer au IOC, le, le numéro 100. Hein. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait Bon ben, bah, je pense qu'il y a, euh, ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'il y a quand même une zone ici à se partager encore. Donc moi, tout ce que je vais faire, c'est je vais faire un Toby, pour essayer de bah, venir encore un peu contester la zone qu'il fait. Ok. Donc lui il défend comme ça. Ça marche. Donc bah, moi j'aimerais bien rentrer par ici, mais faut faire attention. Euh, le coup le plus solide que je peux vous conseiller en fait pour essayer de venir euh, par là, c'est peut-être juste un petit Kosumi. Vous voyez en plus, il y a une coupe ici, je vais pour commencer peut-être à mener. Alors je peux pas couper parce qu'il peut faire Atari là, mais... Il connecte sa pierre. Il connecte, mais vous voyez, ce groupe-là. C'est vrai que vous aurez peut-être envie de le capturer très vite, vite on réduit ses libertés. Mais le truc, c'est que... Ce groupe là en fait il peut pas faire deux yeux. Même s'il fait ça il peut menacer de connecter. Mais je pourrais toujours jouer là. Et si je joue là je pourrais faire Atari. Donc euh, mon groupe là euh, il va pas arriver à l'encercler euh, avec cette, juste ces trois pires là. J'ai quand même beaucoup de liberté. Donc là en fait il vient de jouer un coup euh, qui vaut pas beaucoup de points. Et donc c'est vraiment dans ces situations là où, vous voyez il faut être patient. C'est vrai que ça peut être un peu stressant, oulala, là là, mais là on est en train de perdre, alors, il a trop de points, mais moi je continue, j'avance petit à petit, je joue solide, tranquille et tout. Et là, je joue euh, ce coup, il n'a pas répondu, je détecte que ce coup quand même n'est euh, pas trop synthé, parce que j'ai deux libertés là, tu n'as qu'une liberté, donc je n'ai pas besoin de te répondre, je vais juste faire un Toby okay. ici. Voilà. Alors en plus, ce qui est sympa, c'est que moi, bah, je veux juste lui réduire les points par là, hein, vous voyez, et en plus, ce qui est en train de se passer, alors ça c'est un peu dur à détecter, hein. mais c'est que... Peut-être que tout son groupe là, il pourrait avoir du mal à faire deux yeux, mais on va pas se prendre la tête avec ça, on va pas commencer à dire, attends, comment je vais l'attaquer, tout ça, machin, non, non. Ok, donc il joue là, bon ben, je vais défendre, quand même, hein, il faut faire un peu attention, voilà, on sait jamais. Ok, il vient défendre ici, bon, il n'y avait pas nécessairement de coupe, hein. bon. Et là, ben je vais faire pareil, hein. je vais faire le deuxième Toby, ben moi je compte-tu de me bagarrer pour cette zone alors, vous avez vu, depuis que j'ai joué là, en fait, ça change l'évaluation que j'ai faite juste avant. Puisque j'avais compté pas mal de points ici pour noir, et maintenant que j'ai fait comme ça, ben il y en aura sans doute beaucoup moins. En fait quoi. Donc, ok, il joue là. Bon, ben moi, je vais juste faire encore une fois un petit coup soumis. Vous voyez, je fais que des formes solides. Ah, ok, mon ben alors ça abandonne. C'est marrant, c'est à peu près le même schéma que le premier. Je, 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 on dirait presque des bottes en fait, quoi. C'est un peu moyen comme adversaire, mais. Euh, je crois que c'est même pas lié tout à fait au niveau. J'ai vraiment l'impression que on a même, j'ai pas tout à fait l'impression de jouer contre un humain parce que un coup il joue là, puis après il revient jouer là, puis après il joue là, puis après il revient jouer là. Euh, Peut-être que c'est des bots qui sont cachés derrière des pseudos, ça semble un peu spécial, quoi. Bon, en tout cas, voilà, ça vous aura montré euh, un petit peu encore une fois une manière euh, solide de jouer. Bon, cette partie était peut-être pas euh, euh, très différente de la première, donc peut-être pas aussi euh, intéressante, quoi, mais euh, j'espère que les prochaines, je tomberai sur euh, des joueurs euh, peut-être un peu différents, quand même, qui font des choses euh, un peu différentes. Voilà, donc, comme d'habitude, si vous avez des questions sur la partie, bah, n'hésitez pas à me demander, vous pouvez aussi venir sur Discord, en fait, en gros, pour euh, directement me les demander, vous pouvez par rapport... Vous pouvez par exemple prendre un screenshot d'une position et me dire Ah, euh, euh, qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation-là On peut aussi carrément se mettre en vocal, en fait, pour m'envoyer un message et me demander directement, j'ai pas de problème, en fait, ça, ça c'est très, très, très bien, hein. moi je suis sympa, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me demander quoi, en privé et tout, on peut, on peut voir ce qu'on peut faire quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, si ce toujours pas fait, et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao